Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une Américaine de 46 ans part au Nigeria et va épouser son amant de 23 ans qu'elle a rencontré sur Instagram. L'histoire d'amour entre Suleiman Issa, 23 ans, et Janine Sanchez a prouvé que l'amour ne connaît vraiment aucune limite. Personne ne peut expliquer le mystère derrière leur amour, mais tout le monde sait qu'il est pur et tendre. Janine Sanchez, 46 ans, a rencontré Suleiman Issa sur les réseaux sociaux, précisément sur Instagram. Ils ont commencé à discuter, et Suleiman était très direct et gentil avec elle. Elle aimait sa gentillesse et son honnêteté. Au cours de leur conversation en ligne, elle est tombée amoureuse de ce beau jeune homme qui se trouve au Nigeria. La femme réside en Californie, mais parce qu'elle aime Suleiman, elle est venue dans l'état de Kano, au Nigeria. Elle est venue en janvier 2020 et a eu une conversation sérieuse avec Suleiman et ils ont commencé à sortir ensemble. Certaines personnes ont dit qu'il était peu probable que cette belle Américaine épouse un Nigérien, en particulier quelqu'un qui vit en Occident. Beaucoup de gens ont même été choqués que cette femme puisse faire suffisamment confiance à un Nigérian pour venir la chercher à l'aéroport. Mais Janine n'était motivée que par l'amour, parce que Suleiman était digne de confiance. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus grande je suis, moins on m'aperçoit. Qui suis-je? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Janine, 46 ans, qui vit en Californie, aux États-Unis, est arrivée un samedi à l'aéroport international Malam Aminu Kano, au Nigeria, et s'est rendue à Panchekara pour rencontrer les parents de son amoureux. Les tourtereaux se sont rencontrés sur Instagram en 2019. Ils ont échangé des photos et ont commencé à se fréquenter en ligne. Selon certaines sources, Janine, une mère de deux enfants, dit qu'elle est venue au Nigeria par amour pour son petit ami de 23 ans. Elle a dit que de nombreuses personnes l'avaient courtisée en ligne, mais elle a déclaré que Suleiman était le plus sincère et le plus affectueux. Janine a également déclaré qu'ils retourneraient ensemble aux États-Unis où ils ont l'intention de fonder une famille après leur mariage. Le mariage devrait avoir lieu en mars de l'année 2020. Il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « bonjour », a-t-elle déclaré à Kano Focus, dans une autre interview. Au début, je n'ai pas répondu, parce que j'ai eu des expériences avec des escrocs nigérians. Mais il y avait ce gars qui m'avait envoyé un message, et Suleiman savait que c'était un escroc. Alors, il lui a dit de trouver un vrai travail et d'arrêter d'arnaquer les innocents. J'ai pensé qu'il avait l'air d'un gars sympa. Suleiman, qui est actuellement barbier, a récemment terminé ses études secondaires. C'est même la sunna du saint prophète Mohammed. Que la paix soit avec vous si vous épousez une femme qui est beaucoup plus âgée que vous, a-t-il déclaré à propos de l'écart d'âge. L'indigène de Kano espère que Janine deviendra musulmane. La mère de Suleiman, Fatima, a déclaré qu'elle n'avait aucune objection à leur relation. L'amitié de 10 mois entre Janine et Suleiman a fait venir cette mère de deux enfants sur le continent africain pour la première fois. Et elle était émerveillée par l'hospitalité qu'elle a ressentie lors de son accueil. Janine a accepté la proposition de son prétendant, et c'était le motif de sa visite ce week-end-là, pour rencontrer ses amis et sa famille dans le quartier de Panchekara, au Nigeria. Janine était tellement excitée qu'elle a tout révélé lors d'une interview, et comment ils se sont rencontrés sur Instagram il y a 10 mois. Cette chef californienne a déclaré que cela ne la dérangeait pas de retourner aux États-Unis avec son amant après leur mariage au Nigeria. « Je ne m'attendais pas à m'installer avec quelqu'un de moins de 30 ans, mais Suleiman me donne l'impression de parler avec un homme plus âgé, grâce à sa maturité. Je suis amoureuse et je ne cherche pas désespérément un prétendant nigérien. » Suleiman, d'autre part, avait ceci à dire. « J'ai toujours voulu épouser une femme blanche, afin d'avoir des enfants d'origine mixte. C'était un rêve devenu réalité pour moi, quand elle a répondu à mon message et a finalement accepté de venir au Nigeria quand je l'ai invitée. De plus, lorsque je voyagerai en Amérique, je rendrai visite régulièrement à mes parents et à mes amis. » Elle a même accepté que nos futurs enfants viennent au Nigeria pour rendre visite à ma famille, a déclaré Suleiman. Ils sont sortis ensemble pendant des mois et Janine a commencé à s'occuper de Suleiman et de toute sa famille. De nombreuses images ont fait surface sur Internet alors que Janine s'est montrée en train de moudre du poivre et faire d'autres tâches élémentaires. De nombreuses personnes doutaient encore de la crédibilité de leur liaison jusqu'à ce que le jeune homme se rende sur sa page Facebook et annonce son mariage avec Janine. Le nombre de personnes s'y opposant était énorme parce qu'ils n'avaient jamais pensé que cela pourrait arriver. Le mariage islamique a eu lieu à la mosquée de Panchekara dans l'état de Kano. De nombreux dignitaires ont honoré de leur présence ce mariage. Janine a mentionné une fois, lors d'une interview, qu'elle est une mère célibataire et qu'elle ne voit pas d'inconvénient à retourner en Amérique avec son nouvel amant après le mariage.
Après que Janine ait épousé Suleiman, elle a changé son nom en Janine Sanchez pour Janine Isa, comme on peut le voir sur sa photo de profil Facebook. Selon une recherche exclusive, Madame Janine Isa a déjà eu 2 enfants, un garçon et une fille. Elle les a mis au monde avec le même père de son précédent mariage. Les enfants sont Isabelle Sanchez et Noah Sanchez. Janine a donné naissance à ses enfants lorsqu'elle était mariée avec Joe Sanchez. C'est après que Janine se soit séparée de son ancien mari qu'elle est tombée amoureuse de Suleiman et qu'ils ont fini par se marier en décembre 2020. Tout le monde peut tirer une ou deux leçons de l'histoire de Suleiman. Son histoire a changé simplement parce qu'il avait été honnête sur son identité. Être faux pour impressionner les gens ne peut jamais vous amener très loin dans la vie. Tout comme Suleiman l'a fait, il est bon de vivre une vie honnête et d'arrêter d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre avec des mensonges. Monsieur Suleiman Isa est devenu très populaire lorsqu'il a épousé une Américaine, Janine Sanchez. Elle est venue d'Amérique avec une demande en mariage. Suleiman Isa a été en lune de miel aux îles Maldives avec sa belle épouse. Il a partagé de belles photos, profitant de sa lune de miel avec sa femme, sur sa page Instagram. Le Nigérian Isa est arrivé aux États-Unis d'Amérique aux côtés de son épouse américaine, Janine Isa. Quelques jours après leur mariage, une nouvelle vidéo a fait surface sur Internet qui suscite des réactions. À la lumière de la nouvelle vidéo, il semble que Janine ait quitté le pays aux côtés de son amant Suleiman. Ils ont été repérés dans un bon restaurant alors qu'ils mangeaient, ce qui a suscité des réactions. C'est la façon dont le pauvre Suleiman manipulait les baguettes qu'il essayait d'utiliser pour manger. Il était évident qu'il n'avait jamais utilisé des baguettes de sa vie. Il ne savait pas comment les tenir et avait du mal à saisir les nouilles dans son assiette. Il avait l'air frustré jusqu'à ce qu'il dise soudainement « Je ne sais pas comment utiliser ça ». Il a rapidement laissé tomber et a cherché une alternative. Cela a fait éclater de rire sa femme, Janine. Le 23 septembre 2020, le couple a quitté l'état nigérian de Kano, qui est la ville natale de Suleiman, et se trouve actuellement aux États-Unis. Suleiman Isa a informé ses plus de 27 000 abonnés Facebook de chaque étape du chemin. Dans une vidéo publiée en ligne, Suleiman a été vu en train de nourrir la mariée avec de la nourriture indigène, des sauterelles frites, et elle semblait aimer ça. Dans la vidéo, Suleiman lui a demandé si elle aimait le goût, et elle a répondu oui. Beaucoup de gens pensent que cette relation ne mènera à rien, car elle n'est pas africaine, et en particulier, elle est blanche. De nombreux Nigérians sortent avec des femmes blanches juste pour les arnaquer, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien d'autre à gagner avec une relation à distance. Suleiman Isa n'a pas pris sa relation avec Janine Sanchez comme une blague. C'est pourquoi il a eu l'opportunité de la rencontrer et de l'épouser. De nombreux Nigériens qui entretiennent une relation avec des femmes blanches ne leur sont pas fidèles. C'est pourquoi la plupart des relations s'effondrent. La femme de Suleiman Isa a révélé dans une interview qu'il est loyal et qu'il n'a jamais essayé de l'arnaquer comme le font d'autres Nigériens. Beaucoup de personnes se sont moquées de l'Américaine et n'étaient pas convaincues de cet amour. Un internaute a écrit « Les femmes blanches ont une forte estime d'elles-mêmes, sinon comment une femme de 46 ans pourrait-elle croire qu'un garçon de 23 ans est vraiment fou amoureux d'elle ? Même si elle avait 80 ans, elle aurait toujours l'impression d'être un trésor pour ce garçon. » Un autre a écrit « J'ai juste pitié de cette femme. Seule une idiote peut croire qu'il y a un véritable amour. Mesdames, ouvrez les yeux. Ces hommes sont des chercheurs d'or. Comment vous vous contentez de si peu ? Je ne pourrais pas offrir mon passeport et mon argent à qui que ce soit. S'ils vous aiment, qu'ils viennent avec leur passeport, leur argent, leur maison, leur travail, et là on peut parler. Sinon, vous allez être très déçus. Chercheurs d'or partout et dames désespérées partout. Dommage. » Et un autre a dit « Plus important encore, ils viennent et prennent la place de nos hommes dans la fleur de l'âge. Laisseriez-vous votre enfant vendre son âme pour une carte verte ? Ça n'a pas d'importance au Nigeria ? Que le gouvernement nigérien se réveille. Vous avez raté votre jeunesse, votre avenir. » Mais aujourd'hui, cela fait plus de 3 ans que le couple vit un amour pur, malgré les préjugés. À la fin, l'amour l'emporte. Tous deux réalisent leur rêve d'être ensemble, pour toujours, et ce, malgré la pandémie. Eh bien, on ne voit pas ça assez souvent, n'est-ce pas ? L'amour vous trouve dans les endroits les plus improbables. Et l'histoire de Suleiman et Janine est la preuve qu'il ne connaît ni barrière, ni limite d'âge. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'obscurité. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.